Les aventures de Dora l'exploratrice. Aujourd'hui nous sommes à Laurier. C'était vraiment une des stations les plus random. Genre, je m'ennuyais et j'étais comme où pouvons-nous descendre aujourd'hui? Et donc j'ai décidé que ça allait être Laurier. L'été passé, je m'étais grave mis dans un mood. Tous les jours, genre, je faisais des petits trucs. La différence par rapport à cette année, c'est que je ne vloguais pas. De tout l'été, j'ai rien filmé. J'ai eu un petit flashback que l'année passée, j'ai eu envie de faire Crémazie jusqu'à Laurier en vélo. Et donc en fait, au moment où j'avais plus d'énergie, il était comme 8h du matin, il faisait 3h que je pédalais. Je me rappelle du souvenir que je devais prendre le vélo et le dégringoler tous les escaliers. Je suis arrivée en bas, je suis comme plus jamais. Je ramène mon vélo dans un métro. Moi, j'ai pas les petits vélos trop mignons, très légers, qui mesurent 2 kilos. T'es là, tu le soulèves et tout. Non, non, moi j'avais genre une moto. En fait, cette machine, elle calcule tous les cyclistes qu'il y a chaque année et par jour. Donc aujourd'hui, il y a eu 1033 cyclistes qui sont passés juste par ici. Et depuis le début de l'année, on est presque à 400 000 cyclistes depuis le début de l'année 2022. On gère. Je viens à Montréal et en fait pour ce mois de août je m'étais dit Racha, tu as le droit de venir à Montréal 2 fois parce que 1, j'essaye de m'adapter à Repentigny. De la façon dont mon cerveau fonctionne, c'est que je me dis que si je veux m'accrocher à Repentigny et accepter le fait que j'habite là-bas, que je dois me délaisser de Montréal, et ça ma tête elle veut pas l'accepter. À chaque fois que je vois que j'ai pas de travail une journée là comme ça à la nuit, je suis comme que pouvons-nous faire à Montréal? Si je trouve rien à faire, je m'en fous. Le lendemain je me lève, normalement je me lève vraiment tôt. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis levée, il y a un montage, il me prend trop de temps. En fait, quand je fais des montages avec mon groupe d'amis, ça me prend tellement de temps parce que il y a tellement de trucs qui se passent, tellement de trucs qu'on ne devrait pas dire, le coupage de vocabulaire inapproprié, s'il y a quelque chose qu'on fait, si par exemple, il décide de filmer. Bonne journée. J'avais oublié qu'il y avait des gens qui habitaient ici. S'il y a des trucs qu'ils font qui devraient pas se faire, si par exemple il y a quelqu'un qui fait un mauvais doigt, c'est sûr que je vais pas le laisser. Tellement de coupage de gens. Une seconde, qu'à la fin ça me prend tellement de temps à monter. Donc là ça fait 9 jours que j'ai rien posté sur ma chaîne. Alors que je m'étais dit que ces vacances, je voulais en terminer avec les vlogs que j'ai filmés durant toute cette année. Là maintenant je vais rentrer au CGET, je suis en train de monter les vlogs que j'ai filmés en avril, quand j'étais en secondaire 5. Ouais, c'est critique. Il y a des gens qui ont fait des pancartes de personnes recherchées et en fait c'est des politiciens québécois. Tiens, on va lire celui de François Legault. Pour méfaits envers la terre, en faveur du troisième lien et pour la marchandise de la transition socio-écologique. Récompense, futur viable. C'est tellement un bon message. Il y a Justin Trudeau, François Legault et Stephen Guilbeault. Tenir ma caméra, mais genre, j'adore le point où est-ce qu'on est. J'étais en train de marcher et je réfléchissais à un truc. Et je vous jure que dans la vie, un de mes plus grands objectifs, genre de pré-adulte et tout, ça serait de revenir habiter à Montréal, d'habiter dans un petit appartement vers Laurier, Mont-Royal, étudier en psychologie, boire mon petit café et faire du vélo toute la journée et filmer des vlogs. Si un jour je réalise ce grand rêve, je serai la femme la plus heureuse de la planète. Comme, regardez comment c'est mignon. Je vais juste habiter ici avec mes amis. On fait du petit vélo. Là-bas, on va acheter du café. On filme des vidéos. Genre, dans 5 ans, si j'ai pas cette vie, Inch'Allah, de toute façon, Allah connaît ce qui est mieux pour vous. Donc, ne stressez pas pour le futur. Vous allez bien? Et vous? Oui, merci. Est-ce que tu pourrais vous filmer faire quelques trucs? Là, tu fais des vlogs sur YouTube. Là,
là, comme ça. Ouais. Voilà, propre. Il y a quelques temps, j'habitais à Montréal. Là, j'ai dû déménager. Puis à chaque fois que je vais, je prends comme une sorte de quartier à Montréal. Puis comme je l'explore, je rentre dans les petites boutiques. J'essaie de rencontrer du monde et de voir qu'est-ce qu'ils font. Ok, ben oui, ben fais-vous donner un petit à 10 minutes avant qu'on passe ça. Ben ouais, il n'y a pas de stress. Juste parler un tout petit peu plus fort, ça devrait être correct. Dès que vous vous promenez, vous pouvez raconter des trucs, moi ça me va. Faites comme si c'était un petit documentaire que vous suivez. C'est pas quoi vous dire, là. Je vais pas. Bonjour, ici c'est Maître Corbeau Fromagerie. C'est une fromagerie que j'ai achetée il y a bientôt 4 ans, qui a été ouverte par Maître Fromager. Et la boutique existe depuis plus de 20 ans maintenant. Elle fait partie du quartier. Les gens connaissent la qualité des fromages qu'on a ici. On a plus de 250 fromages. Moi je vais aller de l'autre côté. Les spécialités d'Europe, États-Unis, France, Espagne, Italie. Ici, on a un comptoir exclusivement de produits locaux québécois. Ensuite, on a les d'Hollande, tous les produits d'alpage pour faire les meilleurs fondus au fromage, à Tours et même du Québec. Est-ce que je peux vous demander de baisser un tout petit peu le volume de la musique? C'est quoi, moi, ici? Ouais, un tout petit peu. Donc, on a en saison, il nous faut pour faire un choix de raclette. En ce moment, on en a peu, mais septembre arrive et on va avoir au-delà d'une dizaine de choix en termes de raclette. Sinon, on offre également fondu maison ou des fondus traditionnels préparés sur place à la minute selon le nombre de convives que vous avez, selon vos exigences. On personnalise beaucoup notre service ici. En saison, on a les burrata, les mozzarella. Le fromage, c'est bon à l'année longue. Différents fromages qui sont plus adaptés à certaines saisons. On offre également pour accompagner ces fromages, plateaux qu'on peut vous faire également. Le plateau de charcuterie, le tous les jours ou pour celle du pique-nique. Que ce soit du brunch au plateau le plus sophistiqué, on essaie de vous offrir les plus belles charcuteries qui existent, principalement locales. Évidemment, il y a certains produits qu'on va aller chercher en Europe ou ailleurs. On a également une belle collaboration avec Summum qui nous fournit à toutes les semaines du saumon, soit en saumon fumé, en gravlax ou en pavé de saumon frais. C'est un autre service qu'on offre ici. Il y a un peu de vide parce que je suis en train de faire le remplissage en ce moment. J'ai reçu les commandes. Donc, vous pouvez à quel point on mise sur la fraîcheur également. On pense également à ceux qui aiment les fromages plus avancés. Un petit panier ici, des fromages un petit peu plus faits pour les amateurs. Étant donné qu'on a une grosse clientèle de Français dans le quartier, énormément d'amateurs de fromages faits. Je suis toujours dans le local et surtout dans le local. Un point épicerie, tant pour le petit déjeuner, que ce soit l'exclusivité des produits à l'eau Simone, pour les meilleures tartinades chocolatées au monde. On va avoir tout ce qu'il y a pour le petit déjeuner. Chez Maître Corbeau, on nous livre pain et viennoiserie tous les jours, frais. Déjà la journée est bien avancée, donc il ne reste plus grand-chose. Mais on a tout ce qu'il faut, les confitures, ce qui apprête fromage également, des combinaisons confiture-fromage. Ici, on va avoir plus le côté épicerie pâté. Pâté et petites gelées, petits confits d'oignons, des choses qui vont accompagner comme ça aussi nos plateaux. Là-bas, j'ai un côté épicerie un peu plus de tous les jours, les pâtes, les sauces, les truffes, les tapenades. En ce moment, on est en saison pique-nique, donc j'offre un petit peu plus de petits pots, tout ce qu'il faut pour les pique-niques. J'espère que vous faites du montage, hein? Wow. OK. Parce que je parle, là, mais j'essaie d'avoir une belle variété de produits raffinés. Je disais de produits locaux, hyper important. En même temps, la truffe québécoise, on n'en trouve pas encore. Moi, je suis pas au courant. On essaie d'aller chercher les meilleurs produits un peu de partout. L'important, c'est d'avoir une diversité. Et surtout que tout ça se marie avec les fromages. Le fromage reste ici notre principale raison d'être. Le plus important pour nous, c'est de s'occuper de nos fromages, s'occuper de les bichonner, faire en sorte que nos clients reviennent parce qu'ils ne trouvent pas meilleure qualité-prix en ville. Voilà! Bon courage! Je peux vous offrir un petit morceau de fromage en échange de ce beau petit reportage que vous allez faire? Ouais, ça me ferait plaisir. Qu'est-ce que vous aimez comme fromage? Je ne m'y connais pas du tout en fromage. Le fromage que je connais, c'est genre le Petit Québec. Oh, OK, on part de loin alors. On est courageuse de pouvoir essayer. Alors, comme j'ai parlé beaucoup de local, elle est avec un fromage local, donner un beau petit bout de La Liberté, fromagerie du Presbytère. Ça aussi, c'est intéressant de pouvoir donner un petit peu d'historique, un peu de chaque fromagerie, qu'est-ce qu'elles font, comment les... Je n'ai pas la prétention de dire que je sais tout, mais j'aime bien m'intéresser à ça. Vous allez pouvoir vous initier à un
un joli petit fromage triple crème. Pour quelqu'un qui ne connaît pas bien les fromages, ne pourriez pas avoir de difficulté à aimer ça. Triple crème, là, on parle de beurre. Ça va être un petit beurre bien goûteux. Vous viendrez me voir si vous avez aimé ça. Vous allez connaître plein de belles choses. Alors, j'espère que vous n'allez pas être trop longtemps à l'extérieur. Vous allez le goûter bientôt parce que je ne suis pas sûre qu'il va toffer toute la journée si vous l'avez. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Bye bye. Moi, je suis très contente. J'ai fait ma rencontre du jour dans le quartier du jour. C'est du fromage, donc ça perd un peu son goût très rapidement. Tu viens faire quelques rues, puis visiter, puis après on va retourner au parc, on va bien déguster, on va lire, on va s'amuser. Oh non 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 non. Allô? Allô? Quoi? Je vais venir. Non. Oui. J'ai déjà fait mon vlog. Je peux pas faire un autre truc. Bah oui, tu peux. Non, je peux pas. Oui, ça fait. Ça le fait pas. J'ai déjà fait un truc. Et là, je peux pas. Là, tu fais quoi? J'ai fait la visite d'une fromagerie. Vas-y. Non, c'était amusant, d'accord. Et j'ai même eu un fromage. Fait un retournement de situation. Non, il n'y a pas de retournement de situation. C'est quoi? Là, je suis sur Laurier et je vais aller déguster mon fromage. Sur Laurier? Ouais, station Laurier. C'est à Montréal? Non, tiens, en France. Je t'ai dit que j'étais venue à Montréal. Je vais pas venir ici parce que à cause de toi, j'ai manqué le premier autobus. Et après, j'ai failli manquer le deuxième autobus. Et là, maintenant, je me retrouve à manger du fromage. Alice, tu mets tes vêtements et tu viens. Appelle-moi pas vers 5h là. On vient de terminer par faire Philippe et Vincent, artisan et fleuriste. C'est la même personne. Genre au début je pensais que c'était des vraies fleurs et de vraies plantes. Et je regarde, et là j'étais comme, j'allais toucher. Et là je sens comme, attends, je suis pas experte biologie, scientifique, astronaute, mais ça c'est du plastique. Et c'est tellement réel. C'est la première fois de ma vie je fais une promenade de chien. On a trouvé un nouvel endroit à explorer. Tout à l'heure, je suis rentrée et j'ai dit allô à un monsieur, je pensais qu'il travaillait ici. Et en fait, je viens de voir que c'est un client. Je comprends pas pourquoi il était surpris. Ils vendent un kiss de hammam. Ça fait 5 minutes que je suis posée ici à sentir tous ces parfums. Et je vous jure, c'était l'épreuve du siècle. Je vais pas me décider. J'ai fini par prendre aloe vera, le truc vert là. Si je pouvais, si j'étais millionnaire, j'aurais acheté avec moi tout le magasin. J'ai une légère impression que la personne qui tiendrait ce magasin serait d'origine marocaine et pas parce qu'il y a du couscous et des trucs marocains un peu partout. J'ai un tote bag pour 3,45€. Non mais c'est l'affaire du siècle. Et vous savez combien il coûte les tote bag à Renaud Bray? Le truc, il y a deux phrases, 45$. Non mais parce que moi ça m'a choqué la dernière fois, je suis arrivée à la caisse. Est-ce que le truc j'avais pris genre il avait dû être dépassé? Elle a ce qu'elle est comme 48 et 55 sous. Est-ce que quoi? Pour un tote bag? T'as quoi? J'étais millionnaire. Et j'ai pris le tote bag, j'ai redéposé à sa place. J'étais comme, je me suis trompée en fait. Je viens, le truc, il y a le petit truc à, de leur magasin. C'est trop mignon. Et je vous jure, je suis trop contente. En fait, j'ai envie d'aller aux toilettes. J'adore venir depuis l'année passée au parc Laurier parce que je trouve que c'est tellement un des parcs les plus beaux de Montréal. Tout le monde est dans son coin. Il y en a un, il a sa petite serviette, il essaie de bronzer. Les autres, ils lisent. T'en as qui font des petits pique-niques. Et genre, c'est tellement cute à voir parce que, genre, André, c'est genre juste le but de la vie. Genre, manger, profiter du soleil et rigoler. Là maintenant, on a la recherche des toilettes. Parce que Dora l'exploratrice, sa vessie, elle va exploser. Ma tête aussi. Allez, ça sort bien. Parce que, bon, je vais vous raconter quand elle sera là. Comme ça, en même temps, je vais la chicaner. Mais j'ai tellement envie de pisser. Sous leur toilette, non, je vais leur demander. On va aller à la piscine pour les toilettes. Alors, est-ce que je peux emprunter vos toilettes? Désolé, c'est mort pour mon client pour voir la piscine. C'est quoi? Merci. Je me suis fait rejeter par le maître nage. Je suis désespérée au point d'aller dans la cabine de toilette des constructeurs si elle n'est pas fermée. Devait avoir un bruit sonore, ça serait
le bruit des pompiers. Est-ce que vous savez, il est où le métro? Je pense que c'est par là. Je suis encore perdue. En fait, dans le parc, j'ai commencé à tourner en rond. Je pense que j'ai pris la mauvaise sortie et j'ai commencé à marcher. Et là, je me disais à chaque fois, c'est bizarre. Normalement, je devrais être arrivée au métro. En fait, non. Depuis tantôt, je me promène dans le quartier, trompée de sortie. Là, j'ai retourné au parc parce que du parc, je sais où est-ce que je vais. J'ai trouvé le métro. Et je suis un génie. Après avoir demandé à 4 personnes et avoir tourné en rond durant 15 minutes, j'ai trouvé le métro. Maintenant, il faut attendre Alice. Bon, j'aurais tellement juste pu prendre l'autobus. Oh, j'ai chaud. J'ai même pas pu manger mon fromage à cause de Alice. Et puisque je l'adore, je vais aller la rejoindre à Jean Talon. Je vais savoir pourquoi. Un truc que j'avais complètement oublié, c'est que ce quartier est très très rempli de Français. À chaque fois que j'ai demandé de l'aide, des personnes françaises reconnaissaient par le petit accent français qui me répondaient. Ça fait presque 15 minutes que j'attends Alice devant la tour de Jean Talon. J'ai pas mangé mon fromage. Non mais j'en ai tellement marre. Genre depuis tantôt je fais que faire le tour de la planète pour faire la dégustation là maintenant. Je regarde trop de youtubeurs français masculins. Ça influence sur moi parce que leur accent me fait trop rire. Et donc parfois j'essaie de le prendre pour une des leurs. On va éviter fromage. Là, de vrai, un truc québécois. C'est bon. Ça se passe, hein? Comme la madame l'a dit, ça goûte plus genre le beurre que le fromage, mais c'est vraiment bon. Les fruits, c'est tellement bon. J'avais pas cru que quand j'étais petite, j'osais dire que c'était pas bon. Parce qu'en fait, on a trop l'idée que les fruits et les légumes, ça doit être dégueulasse. Mais alors, c'est délicieux. Quand manger des fruits, quand je rentre maintenant dans une supermarché, je préfère acheter des fruits des bonbons. Je sais pas si ça va le sauver de la chaleur d'aujourd'hui, mais au moins je l'ai mis dans un conteneur pour pas qu'il fonde dans mon sac. Ça va? Oui, et toi? Je suis là dans 10 ou 5 minutes. D'accord. Là, vous allez voir deux fois la même chose, mais... Ils vont... Oh, toute la journée français dans le père Laurier. Tiens, on va lire ma crochet à réponse. Elle calque Laurier. Ma chérie, j'ai rien d'officiel, la gasoline dans la vitesse. Avec la bouffe, je m'apprends en vie. On va aller, t'es vieux. C'est même pas une université. Mais on s'en fout. Ils ont aucune preuve qu'on ne va pas à l'université. On te regarde marcher et ton jaillit dans la rue. On sait déjà que tu viens pas à l'université. Arrête de prendre ma gueule. Cette fois-ci c'était pas grave, mais cette fois-là c'était la dernière fois qu'on se revoit, la dernière fois qu'on se côtoie. Dans ma gueule t'as un mytho, dans ma gueule t'es une plus grave. Attends. Ah, oh, recommence encore. Y a pas le bruit. Ah yeah. Nous sommes à Côte des Neiges. J'essaie de vous montrer mon chandail là. On va aller manger le chang pang chang, le nom le plus indirable. Non, comment on dit? On n'arrive pas à le dire. Ok, bref, on va aller manger le truc là avec les pogos. Dans la voiture, on m'a souhaité de la bonne humeur aux gens. J'en étais en train de crier bon mardi. Ouais, moi je crie. Ouais, elle conduisait là, mais elle nous a ramené sains et saufs dans un lieu. Aïe. Vas-y. Je les ai achetés l'année passée. Bonjour. Allo, je les ai achetés l'été passé. Si, ils allaient pas avec mon pantalon, je les mettais pas. Puis ils allaient pas avec le cargo, si je les mettais pas. Est-ce que je pourrais avoir le dog simplement modèle là? Ah. C'est celui qui est halal? Non. Oui? C'est lequel qui est halal? Bœuf ou poulet? Poulet. Quelle sauce? Vous avez la sauce algérienne? Ouais. Je peux en avoir, s'il vous plaît? Non, I mean, it's like. Miriam, how? Est-ce que vous avez la sauce algérienne?
La sauce? Ah, j'aime bien. Non, mais je sais pas. Ok, juste du ketchup, ça serait quand même. Parfait. Mais je te demande. Non, mais vous avez quelque chose d'épicé? La mayo épicée, simplement. La mayo épicée? Ouais. Bon, je crois que c'est quand même trop clair, je te dis. Ah, ok. Je pensais que c'était normal de donner de la sauce algérienne. Oui, mais si c'est pas, on est à côté du jeu, adaptez-vous. Ouais, c'est déjà ça. Mais de toute façon, les halal, c'est pas que pour nous. Il y a les végétariens. Tout ça. Non, non, non. Mais là, je viens de dire une dinguerie. Non, mais parce que tu vois, les végétariens, ils mangent juste pas de viande. Oui, mais par exemple, parce que parfois ils ont rien. Genre, ils comprennent pas halal. Du coup, tu veux leur tromper, tu veux les arnaquer. Ouais, genre, est-ce que t'as un truc végétarien? Tu sais, je fais ça à Rebotini. Y'a pas que ça veut dire quoi halal? Et en fait j'étais au Walmart. J'ai demandé est-ce que les sushis sont halal? Elle m'a dit quoi? J'étais comme halal. Je lui ai dit est-ce qu'il y a du cochon? Elle est comme ah non t'inquiète vas-y. Je suis comme ah. C'est quoi la musique qu'elle joue déjà? Aline est là, ouvre la porte là-bas. C'est bon. C'est bon. Yeah. J'ai ramené mon MacBook. Non, c'est trop de trucs pour un vlog. Non, tu laisses en ma cuisine, on y va. À la recherche d'un banc. On est juste à côté du chalet Kent. Avec mon jardin Kent. Ouais, faut préciser quoi. Je sais pas comment faire en live. Mon téléphone est coincé. Oh, non. T'es sérieuse? C'est pas grave. Ah, on va faire un live. C'est la première fois de ma vie. Il y a du wifi. Oui. Vérification de connexion. Il y a personne. Viens, je me sens, tu vois, comme les filles qui commencent genre des directs. Et genre, elles sont comme Lina et Samia sont en live. C'est qui ça? C'est des personnages. Raja a commencé un direct. Oh my god. Allo? Mais c'est parce que c'est trop cool. Bonjour, bonjour. Oh, Demi annonce. Tu sais, il est où? En Grèce. Mais non, il y a pas longtemps, je l'ai vu dans le vélo. Il avait Ryan. Non, il est en Grèce. Est-ce que t'es en Grèce? Dis allo. En Grèce ou derrière le vélo de Ryan? Non, il est en Grèce, je t'ai dit. En plus, il a fait la tiasse. Bon, désolé, je sais pas comment faire un live. Non, en Italie. T'as vu? Non, j'avais raison. En fait. Mais toi, t'as dit un truc. Et parce que je te jure, l'autre fois, j'étais. Il était au McDo. Attends, est-ce qu'il est encore là? Demi, t'es encore tu là. Tu peux montrer ta tête? Mais c'est ton téléphone. En vrai, je parle tout seul. Ma vidéo. On dirait que j'ai l'air d'être mieux. Pourquoi les gens ils disent. Regarde la vidéo. <t'es>... Dites allô. Ça, c'est ma caméra. Les 4 personnes. Les 4 personnes textées. Chose, s'il vous plaît. Non, imagine, ils sont antisociales. Alors pourquoi ils viennent dans le live, ils sont antisociales? Ben moi, je viens en live, genre 3 secondes. Parce que les gens, ils ont rien à dire. Vas-y, on fait une story time. Raconte ton vélo. Oh oui, oh my god. Mais il y a 2 personnes, il y a personne qui va m'écouter. J'ai pleuré. Mais revenez. Anime, comment c'est 2 personnes? Ok, so, en gros, j'étais sur mon vélo. Et là, après ça, genre en fait, à Repentini, on m'avait volé mon vélo, d'accord? Parce que j'ai oublié de mettre un cadenas, d'accord? Et après ça, j'ai volé le vélo à ma soeur et je l'ai amené. Ouais. Et après, en fait, ils ont volé le vélo à ma soeur. Donc là, après, c'est pas moi, j'étais déterminée. J'allais passer le permis, d'accord? Le permis de la voiture. Et là, ici, là, il pleut. Hakuna Matata. Quoi? Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata. Qu'elles sont fantastiques. C'est bon signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Alice, je te jure. Pourquoi t'accélères? S'il te plaît, dépose-moi. Tu peux pas. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, si tu m'aimes, pose-moi ici. Après, j'ai juste à faire 2 lignes et j'arrive chez moi.